Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment envoyer une vidéo, une photo ou une image en format JPG, soit PNG, sur WhatsApp sans même perdre la moindre qualité de l'image. Et cette image ou bien cette vidéo va toujours garder sa qualité sur WhatsApp. Alors, si tu apprends 20 minutes de cours, je te permets tout d'abord à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et à la partager autour de toi. Et laisse-moi en commentaire si cette vidéo t'a encore apporté une connaissance ou bien un acquis. Et voilà comment ça se passe. D'abord, je prends un exemple. Voilà ici l'image ici. J'ai envoyé une image et regardez le document que j'ai envoyé en JPG. Je ouvre d'abord le document. Voilà, quand j'ouvre le document, je ne sais pas comment j'allais vous montrer l'exemple, mais vous allez voir que l'image ici, elle serait toujours nette et claire du côté du client. C'est un client qui m'a dit de lui concevoir ceci. Quand le client va ouvrir ça, un document comme ça, l'image serait claire. Mais plutôt, si vous l'envoyez en image comme ça ou bien en photo simple comme ça, vous allez voir que quand le client ouvre ça, d'une part, de son côté, ça ne serait pas très clair, ça ne serait pas net aussi. Et ça ne serait pas très, très visible. Ça ne serait pas très visible. Et voilà, je vais vous montrer la méthode la plus simple que vous pouvez utiliser pour envoyer vos photos, soit vos vidéos, en format JPG ou bien PNG. Voilà, on va. D'abord, c'est qu'on va aller, sur un contact parce que je ne peux pas encore réenvoyer les mêmes documents à mon client. Voilà, je vais aller sur mon contact ici personnel et vous montrer comment la suite se passe ou bien se déroule. Donc, une fois ici, je clique sur ça et je vais maintenant sur le document envoyer des photos ou images. Vous allez voir qu'il n'y a pas du document, caméra, galerie, audio et autres. Je vais cliquer sur la partie document. Ok, donc quand je clique sur la partie document, vous pouvez les envoyer en PDF ou autre. Voilà, quand je clique là-bas, je clique sur les autres. Et voilà, quand je clique, vous allez voir que c'est les PDF, je fais un retour parce que je ne peux pas envoyer les PDF. Voilà, je clique là, je clique sur image parce que c'est une image que je dois envoyer, c'est-à-dire une miniature que je vais envoyer à une personne qui m'a dit de concevoir une miniature. Voilà, ça, voilà, les miniatures sont déjà ici. Donc, je clique sur une des miniatures ici et je mets ça en document JPG. Ok, vous allez mettre ça en document JPG. Donc, je reviens encore, je clique ici, je dois voir d'abord si c'est ça. Vous allez voir que la miniature, elle est correcte. Elle n'a même pas de souci ou bien d'impact. Voilà, quand je finis comme ça la conception, je vais maintenant envoyer l'image ici à mon client. Donc vous cliquez et vous mettez ça en document JPG et vous envoyez ça à votre client. Quand le client ouvre le document de son côté, ça serait net. Mais plutôt quand vous l'envoyez ça en image, parfois c'est flou. Malgré que WhatsApp a instauré certaines fonctionnalités où on dit d'envoyer l'image en document HD, c'est-à-dire haute qualité, pour ne pas que perdre leur qualité, certaines images se font toujours pas voir. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Et voilà encore une autre image que je vais l'envoyer. Et voilà, si vous aussi vous êtes dans le cas et vous avez besoin des flyers et autres, donc vous pouvez aussi toutefois nous écrire dans la partie commentaire. On va vous montrer comment réaliser cela. Soit si vous avez besoin, vous pouvez toutefois nous contacter. On fera ce service pour vous. Alors, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaire. On pourra répondre à vos soucis. Alors, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et beaucoup de choses à la famille. Bye bye.